Mérite, mérite pour Maxime. Là, je vais devoir vous mettre sur liste d'attente parce qu'on est complet jusqu'au mois de juin. Un rendez-vous. Pas avant le mois de juin. À Méricourt, les demandes de renouvellement de pièces d'identité explosent, comme partout en France. Une problématique sur laquelle l'État s'est penché. Dans le Pas-de-Calais, ce n'est pas moins de 950 000 demandes pour l'année 2022. Il y a plusieurs façons de gagner des créneaux, donc des possibilités pour nos concitoyens d'aller plus rapidement dans une mairie. C'est d'abord d'avoir plus de machines. C'est ensuite une aide de l'État qui est passée de 11 à 22 000 euros pour tous ceux qui auront ces machines, de façon à les aider financièrement parce qu'il faut mettre des gens derrière les machines, et ça c'était aux charges des communes. C'est ensuite de réduire des créneaux. Au lieu d'apprendre toutes les 20 minutes, si vous prenez tous les 15 minutes, vous passez une personne de plus régulièrement. Et donc l'idée, c'est d'encourager les gens à faire une pré-demande sur Internet. Ça permet d'aller beaucoup plus vite en mairie et donc de passer plus de monde le même jour. À Méricourt, en 2017, faute d'équipement, le service avait dû fermer. Aujourd'hui, grâce aux aides de l'État, il est de nouveau fonctionnel. Bonjour. Bonjour. Vous, c'est carte d'identité. Le service affaires générales et état civil sont 5 agents et nous sommes 3 agents en renfort pour venir aider. Et depuis un mois, nous avons honoré 214 dossiers de carte d'identité et de passeport. Un nouveau format pour la carte nationale d'identité, plus sécurisée avec sa puce électronique et la prise d'empreintes digitales. La grande innovation, c'est que maintenant, tout se fait par Internet, dématérialisé. Dématérialisé pour les informations personnelles, mais aussi pour la prise de rendez-vous. Ce matin-là, Kevin avait pris rendez-vous pour refaire sa carte d'identité. J'ai appelé certaines communes, c'était un peu plus long. Et le plus vite, c'était ici. Et honnêtement, j'ai eu un petit deux semaines, voire trois semaines. Et encore, c'est vraiment raisonnable, quoi. Sur l'agglomération de Lens-Liévin, ce sont désormais 8 communes qui sont équipées d'un dispositif. Pour un renouvellement, la carte nationale d'identité est gratuite, à condition de restituer l'ancienne. Sinon, le timbre fiscal est fixé à 25 euros, en cas de perte ou de vol. Le passeport, quant à lui, est toujours payant et coûte 86 euros. Comptez une vingtaine de jours pour obtenir vos titres d'identité, une fois le rendez-vous effectué. Voilà. Merci à vous.